Hey, salut la gang, beau gros samedi ensoleillé. J'ai le goût de péter ma coche un matin. Puis je vais la péter en tabarnak. Excusez les blasphèmes qui vont sortir, là, mais ça va faire du bien un petit peu de s'extérioriser. Ma vie compose d'aide. Ma vie compose d'aider les gens. Parce que dans la vie, tous les gens, d'une façon ou d'une autre, on est tous là pour aider quelqu'un. Quelqu'un qui livre du jambon, il aide à livrer du jambon. Le gars qui travaille à la caisse, chez Renault Dépôt, aide à servir les clients. Moi, en tant que conducteur automobile, j'aide aux gens à trouver leur véhicule. Puis en plus de ça, j'aide les gens, d'une façon ou d'une autre, dépendamment des circonstances, soit par une communication, ou soit par de l'aide. Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu de sous pour servir de bord, plaquette, puis je lui donne un petit coup de main à des amis, plaquette. Mais quelque part, tabarnak, là, quand on promet quelque chose à quelqu'un, quand on dit quelque chose à quelqu'un, écoute, mon chum, je t'offre ça, je vais t'aider, fie-toi sur moi. Demain matin, je vais être là tout à l'heure. Asti. Le matin, il arrive, ça arrive pas. Il est pas là. Toi, tu t'es fié sur le gars qui te dit qu'il va t'aider, puis le lendemain, mais dans la nuit, tu dors là-dessus, le lendemain, tu te réveilles, tu t'attends à avoir un coup de téléphone, que le gars va venir, puis il est pas là, tabarnak. Donc, tu t'es pas privé d'autre chose parce que tu t'es fié à la parole du gars qui prenait la responsabilité de te donner un coup de main, puis qu'il l'a pas fait. Ça, c'est de la crise de merde. Donc, moi, dans la vie, je m'arrange pour dire des choses, puis les respecter au maximum, pour pas décevoir les gens. Beaucoup de gens, à tous les semaines, m'appellent pour de l'aide. J'aide énormément. J'aide les enfants dans les écoles. Je fais des petites conférences pour les aider moralement, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. J'ai des gens, des fois, des amis qui m'appellent à Miguel, puis tu me passes 100$, 200$ pour une couple de jours. Je le fais, et je mets ça clair, puis il me rembourse telle date, telle journée, blablabla. Puis je m'arrange que ça soit fait. Parce que je suis un gars bonasse, puis j'ai... même année, j'ai mes limites. J'ai mes hosties de limites. Parce que quand que j'aide quelqu'un à plusieurs reprises, puis une fois sur 100, sur 15 fois que je l'ai aidé, j'y demande de l'aide pour qu'il me donne un coup de main. Mieux que ça, le gars t'appelle pis te dit « Hey, je vais te donner un coup de main fin de semaine, je sais que t'as une grosse fin de semaine, je vais te rembourser un petit peu de ce que je te dois, puis ça va t'alléger, pis ça va te donner un coup de main. » Le gars t'appelle, qui t'a aidé, pour te dire qu'il va te renvoyer à la balle. Ah, s'il est pas là! Il vient pas, il appelle pas, il est rendu 1h, 2h du matin, pis c'est pas depuis 8h que ça a commencé, le tabarnak de truc. Pis il est pas venu, il a pas rappelé, fuck out, là, si on dort là-dessus, il va s'arranger comme d'habitude. Calisse que c'est de la merde. Donc, à un moment donné, là, faut vraiment savoir spotter les gens qu'on aide, voir s'ils méritent vraiment d'être aidés. Parce qu'il y a des gens, moi, que j'ai aidés énormément. Je pensais bien faire. Je laisse encore la chance aux coureurs de se rattraper. Sauf qu'à un moment donné, là, je saute ma crise de coche. Donc, à un moment donné, quand je sors un gars 10 fois du trou, puis je dis, passe pas là, tu vas rentrer dans le trou, tu vas tomber dans le somme mouvant. Le câble, il rentre dedans. Mais regarde, la 6e fois, là, désolé, je mets le pied sur la tête, je le calisse dans le trou, puis on n'en parle plus, c'est fini, c'est-tu. Il me souffre plus d'énergie après ça. Ça prend-tu? Donc, à un moment donné, il faut qu'il allume, là. Elle m'allume. Toc, toc, toc. Donc, c'est ma petite frustration du calisse du samedi matin. À part ça, ça va super bien. Je viens de monter mon beau tempo, je fais gros soleil dehors, j'ai des clients qui s'en viennent, puis la vie est belle. Salut!